plus en plus dur de faire des intros. Bref. Allez les amis, aujourd'hui je vais vous parler de ma vision du lycée. La première vidéo sur le collège est déjà disponible. Aujourd'hui, le lycée, bah, c'est la step d'après, hein. Bien vu Clément. Donc pareil, je vais redire ce que j'ai dit dans, dans la vidéo sur le collège, mais c'est qu'il y en a qui ont trop bien vécu le lycée, il y en a qui ont trop mal vécu le lycée. Et moi, je fais partie de la team qui a trop bien vécu le lycée. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez la voir sur le collège, parce que comme ça, vous aurez un petit peu le... Bref, t'as compris. En vrai, le lycée, tout était différent de par rapport au collège, et c'est pour ça, en fait, que j'ai bien vécu, c'est-à-dire que tout ce qui allait pas au collège, ça a été corrigé au lycée. Donc, en gros, je vais reprendre les points du collège qui allait pas, c'est-à-dire physiquement complexé au lycée, ça allait beaucoup mieux. J'avais plus la coupe à la tchoupie, j'avais pris en assurance, bah forcément j'avais grandi. J'avais commencé à travailler les étés aussi à mes 17 ans, donc tu sais, prise de confiance, maturité, patati. Donc sur le physique, j'allais beaucoup mieux. Donc forcément, bah tu vas mieux après dans la vie de tous les jours. L'autre point aussi, c'était bah mes parents, ils m'ont beaucoup lâché la grappe. C'est-à-dire qu'ils me faisaient plus du tout chier sur ce qui est notes et tout. J'ai vraiment été beaucoup plus libre au lycée sur ma gestion de ma scolarité. Tant que je ramenais des bonnes notes, que je foutais pas le bordel et tout. Mais ils étaient beaucoup moins sur mon dos. Et en vrai, bah, je les remercie parce que ça a vraiment... ça m'a libéré en vrai. Peut-être j'y allais, je travaillais pour moi. Bon, je ramenais des mauvaises notes, mais bah, Clément, t'avais qu'à travailler. Mais du coup, c'est tout, tu sais, ils étaient pas... C'était pas la même philosophie, ils étaient beaucoup plus cool et ça change de fou. Troisième truc, bah du coup ça rejoint le deuxième point, c'est le fait que bah t'es beaucoup plus libre au lycée. Par exemple, l'anecdote que j'avais racontée dans la vidéo du collège, c'est que si tu mangeais pas à la cantine, fallait payer et tout. Là au lycée c'était différent, genre t'avais une carte, donc si tu mangeais, fallait passer la carte et ça débitait le compte. Donc là techniquement, si j'avais pas cours l'après-midi, je pouvais sortir. Et il n'y avait pas de problème. Un des points les plus noirs de mon collège, je l'avais plus au lycée. C'est-à-dire que j'étais vraiment beaucoup plus libre. Si tu voulais sortir, bah tu montrais ton carnet, c'était bon, tu vois. C'était moins chiant au lycée parce que bah t'es plus grand, donc plus d'autonomie. Mais c'est une régalade en vrai. Et le dernier point, j'avais un portable. Alors, chose que je n'avais pas au collège, bah c'est tout con, hein. Mais avec mes potes, hors lycée, bah je pouvais leur envoyer des messages, on pouvait s'appeler, on se donnait rendez-vous. Et moi, mon lycée, il n'était pas dans ma ville, donc il était à 40 minutes en bus. Un de mes meilleurs potes au lycée, et bah on était dans la même ville, donc du coup, dès qu'on voulait aller faire des foot et tout, bah je lui envoyais un message et c'était bon. Ça paraît tout bête, hein. Mais genre avant, j'avais pas de moyens de communication, donc ça m'a énormément aidé. Donc ces 4 points résolus, bah le lycée ça a été trop bien. Déjà j'ai eu de la chance, j'ai fait mes 3 années de lycée avec 2 potes. On était vraiment les meilleurs potes, genre on était à 3, on a fait nos 3 années ensemble. Ça a été merveilleux, c'était que des bons souvenirs. Et il y a d'ailleurs un des potes, ça fait 10 ans hein, maintenant que je suis sorti. Waouh, 10 ans? Attends. Ouais, j'ai eu mon bac en 2016. Waouh, ça fait plus de 10 ans. Non ! Bref, ça fait 10 ans et on se parle encore. Lui, en ce moment, il est en Australie. Gros big up à toi, Lucas. On s'envoie toujours des messages. Quand il est en France, bah, je le vois et tout. Par contre, l'autre, plus de nouvelles. Ça fait 10 ans, genre du jour au lendemain, quasiment plus rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, Enrique, si tu passes là, coucou. C'est que des bons souvenirs, même si la seconde, ça a été une de mes classes les plus dures de toute ma vie. Ça a été vraiment très dur. Genre, je suis un bon élève. Parce que je travaille, parce que je suis pas à l'aise dans la classe, et du coup, bah, il faut que je me concentre. Que le soir, j'ai pas envie de travailler, j'aime pas faire mes devoirs, j'aime pas la classe, j'aime pas cet univers, mais du coup, j'ai donné beaucoup d'énergie pour me mettre dans la case éducation nationale, pour rentrer dans ce système. Parce que je voulais bien faire, mais ça demandait plus d'énergie que certaines autres personnes. Et il y en a, ça doit être encore pire que moi aussi, hein. C'est comme ça que je le perçois. Mais du coup, la seconde, ça a été très dur. Mais heureusement, j'étais avec mes meilleurs potes. Ça m'a vraiment porté. Parce que genre, tu vois, quand il y avait des galères de cours, le soir, je rentrais, on faisait notre TP, on s'appelait ensemble, on passait des heures au téléphone et tout. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, on se donnait des réponses. Il y avait un échange, tu vois, ça m'a énorme. En fait, j'ai été porté. Comme j'avais pas mes parents pour ça, et tant mieux, hein, c'est pas un reproche là justement, mais j'étais soutenu et on était ensemble avec mes potes. On partait au lycée ensemble, c'était la création de Clash Royale. C'est con, hein. Genre avec mon pote, on faisait que jouer à ça. On avait même aussi un classement de blagues. Oh putain, les souvenirs. C'est-à-dire qu'on faisait des blagues toute la journée. Et toute l'année scolaire, en fait, on avait mis un classement pendant nos 3 années. Genre, je faisais une bonne blague, et ben j'avais plus 1. Et si je faisais après une autre blague nulle dans 2 jours après, je perdais 1 point. Et à la fin de l'année, on avait fait un classement des blagues, on était à 3. Oh putain, les souvenirs, c'est merveilleux. Et après, première et terminale, on a fait la même filière, du coup on était ensemble.
Si on enlève cette notion d'amitié, à ce moment-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur quand même. En vrai, je les remercie parce que grâce à eux, j'ai passé de très très belles années. Et donc, je pense que l'amitié au collège, lycée, c'est quand même très important d'être, de trouver un binôme, un trinôme ou autre. Parce que ça t'aide en fait, t'es pas tout seul et t'avances ensemble. Et après au lycée, par rapport au collège, il y a beaucoup plus de maturité. Je parle dans mon lycée, je sais pas comment c'est ailleurs, mais il y avait beaucoup moins de moqueries, de bagarres. Tu sais, on est beaucoup plus adulte. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, ok, là on est un peu dans la vie d'adulte et ça fait du bien. Parce que c'est moins, ah on va se taper à 16h au parc, ah il a mis un short, ah il a mis un pantacourt, tu vois, ça c'était collège. Au lycée, il y avait moins ça et ça... Ça fait du bien, hein. Si seulement, dans notre monde, il y avait moins de débilité sur les moqueries, sur le moquerie sur le physique, sur les vêtements, sur « Oh, tu m'as mal regardé, bah, je te tape » et tout. S'il n'y avait plus ça, cette énergie négative, bah, c'est un monde utopique, hein. Et puis là, ce que je dis, pff, ça n'a aucun sens. Mais si, vraiment, je pense que ça allégerait tellement de gens. Mais bon. N'arrivera pas ça. Enfin, j'espère. Mais c'est... Pff, ça va être long. Oh là là, je m'auto-parle. Et je vais terminer avec une anecdote. Parce que du coup, là, je vous fais un portrait incroyable. Que des bons souvenirs, en vrai. Mais moi, Clément, bon élève qui a toujours eu 15 de moyenne au collège. Des bonnes notes. Jamais eu d'heure de colle de ma vie. Bah, au lycée, il y a eu 2-3 petites dingueries. Hein. Genre... Surtout une, du coup, j'ai eu une commission disciplinaire, donc c'est juste en dessous du conseil de discipline, une commission, je crois que c'est ça, hein. Qui s'est retrouvé dans cette commission ? Enrique, Lucas et moi, la triplette. Nous trois, pourquoi ? L'histoire, elle est... c'était avec mon prof de sport, en fait. J'avoue que c'était la matière où j'étais le moins concentré, parce qu'en fait, le sport au lycée, c'était naze. Ça servait à rien, moi j'étais un sportif, mais quand t'arrivais en cours, c'était ridicule. Le prof, il était... toute merde, si je le cite pas, c'est pas grave. Il était nul à chier, et il nous aimait pas. Et arrivé le jour en terminale où, bah du coup, on était en contrôle continu pour le bac. Et qui dit bac, dit barème. Et le barème, je sais pas s'il a changé, mais le barème de sport au lycée, c'est une catastrophe. Et c'était honteux, et moi je me suis embrouillé avec le prof, et en fait, je vous explique. Il y avait une fille dans notre classe qui était un peu ronde, et on faisait athlétisme. Et elle donnait tout ce qu'elle avait. Vraiment, elle donnait tout. Et via ce vieux barème tout pourri, elle savait qu'elle allait pas avoir 20. Et je trouve ça absolument dégueulasse. Genre le fait que, genre putain, elle se donne à fond, elle sait juste par son physique, elle y est pour rien, tu vois, ça se trouve elle a des maladies, ça se trouve elle va pas bien, juste par son physique, tu savais qu'elle pouvait pas avoir une bonne note, je trouvais ça, mais ça, moi je déteste l'injustice, mais encore plus quand t'es jeune et tout, mais ça m'a traumatisé, et je me suis embrouillé, et avec le prof, j'ai fait votre barème... de merde, je crois que j'ai dit. Mais c'est pas visé lui, c'était le barème de merde, je crois, un truc comme ça, et on s'est embrouillé un petit peu. Donc commission disciplinaire, parce que après mon pote aussi, enfin bon bref. Et donc là, je me suis retrouvé devant la principale adjoint, la CPE, ma prof principale. Oh non, mais attends, mais... Moi, Clément, quoi. Et après, je me suis fait terminer, hein. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Il y avait les 5 lurons autour de WAM, et il me dit, Clément... T'as pas à faire ça, patati, patata, je me suis fait défoncer. C'est horrible d'ailleurs, hein, parce qu'en vrai, quand on remet dans le contexte, j'avais 17 ans. Hein, et ils sont 5 adultes devant toi et ils te terminent. Tu peux pas parler, je dis, mais le barème, tais-toi. Donc voilà, et suite à ça, j'ai pas été exclu ou quoi. Je sais plus ce que j'avais eu exactement, mais surtout, le pire truc, j'ai eu un mot, en fait, dans mon livret scolaire, qui allait me suivre pour mes écoles supérieures. Ils ont mis un mot, je l'ai jamais vu ce mot, mais c'est sûr qu'ils l'ont mis, hein, parce que moi, j'ai pas été pris dans les écoles que je voulais. Et j'ai fini à Rambouillet. Mais voilà, j'ai pas eu mes premiers choix et je pense que c'est vraiment lié à ce mot que j'ai eu. L'éducation nationale, j'en ferai un jour une vidéo pour déverser tout ce que je pense sur eux. Mais voilà, c'était ma vision du lycée. Ayez des amis. Bon, c'est facile à dire, mais bon, bref. Allez, j'espère que ça vous a plu, c'était ma vision du lycée. Des gros bisous. Profitez la vie avant que la vie ne profite de vous. Et à très vite. Oh, mais c'était Clément.